Aucun recours à la persuasion n'a été constaté à Paris, selon les explications du président de la transition, dans la matinée d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'opération de persuasion entre une ministre des Affaires étrangères française et ma personne, mais seulement un échange d'opinions, ses opinions personnelles en tant que ministre français et mes opinions personnelles, des opinions qui cependant peuvent diverger. L'annonce de ma décision ne dépend d'aucun paramètre, encore moins de l'arrivée de la SADC à Madagascar. Je l'annoncerai au moment opportun. Ainsi, la décision du président de la transition, Andry Rajoelina, de se présenter ou non aux élections reste jusqu'ici un mystère. En attendant, il en appelle au calme et à l'apaisement, surtout en ces périodes de fête. Je lance un appel à tous, qu'ils soient des responsables étatiques, des politiciens ou de simples citoyens, que chacun d'entre nous fasse en sorte d'instaurer le calme pour que tous nous puissions passer les fêtes dans la sérénité. Nous verrons au début de l'année prochaine ce qui se passera pour la suite des affaires politiques. L'attente de la décision du président Andry Rajoelina qui fait naître actuellement moult débat. C'est ainsi au 1er janvier de l'année 2013 qu'il fera sa déclaration concernant sa participation ou non aux élections.